Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous docile à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 10 août, nous célébrons la fête de Saint Laurat, diacre et martyr. Bien qu'aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon Saint Jean à la fête de Saint Laurat, le message de ce jour est la suite de celui que nous avons écouté hier. Suivre le Christ et le servir, c'est passer par là où il est passé et être là où il est. Demandons cette grâce qu'a eu Saint Laurent de pouvoir imiter le Christ même dans la mort, pour que nous aussi, dans notre vie quotidienne, nous sachions le servir à travers des petits sacrifices au profit de nos frères et sœurs, spécialement les pauvres. Saint Laurent a été mis au bûcher parce qu'il a dépensé tout le bien de l'Église pour donner aux pauvres. Les pauvres, nous en avons aujourd'hui. Est-ce que nous savons en prendre soin? Que le Seigneur nous donne aussi les moyens nécessaires pour souvenir aux besoins des pauvres qui frappent à nos portes. Demandons cette grâce au Seigneur, lui qui est vivant maintenant pour les siècles des siècles. Amen.